Ah bah oui, forcément. La caverne de Mysidia, c'est de la merde! Donjon de merde! Des donjons avec des portes, des escaliers de merde, redes portes, encore des escaliers de merde. Au moins, ça fait augmenter notre magie. Il faut que j'utilise plus souvent soin. Ouais, rang 5 avec la... Ah là là, c'est compliqué. Ah, bon bah ça va le tuer. Attention, premier coffre troll. Une tunique noire. Ah non, c'est pas troll du tout ça en fait. Ça accroche de l'agilité, ouais. Il a besoin de défense. Tunique noire, pas dégueu. Ah bah il a visé la bonne, c'est bon. Du coup c'est peut-être dans celui-là qu'il y a un marble. De toute façon, les deux donjons à l'île tropicale et celle-là sont très liées, donc... Non, 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 non. C'est bon. What the fuck? J'y arrivais ou... Ça sent pas bon ça. Mais ça sent un objet que j'ai pas. Ah mais non, si! Ah si, c'est le masque noir. C'est le masque noir qui va marcher sur lui. Ça prend notre apparence. C'est un peu le... L'ombre de Link aussi. Niveau 6. On voit tout de suite la nouvelle animation. Ça fait mal forcément. Bouh. Le Orla est immobile. La pureté du cœur de Firion paralyse celui de la créature. Placez le masque noir sur le Orla. Masque et la créature disparaissent. Et là, ça va être un système de portes. On va s'amuser. S'il fait morpher, c'est pas très grave. Là, sur le coup, c'est les deux qui devaient attaquer avec le feu, donc ça m'arrange pas beaucoup. En revanche, si c'est fossile, ça m'arrange pas du tout. C'est possible de me faire chier, hein.
Bon, on continue à augmenter Sidéral, hein. Là ça va level up évidemment. On essaiera d'avoir Atomium aussi, si je me souviens. Atomium. Non, c'est Atomium, non, c'est ça. Putain, j'ai deux maintenant. Il faut savoir où la trouver. On l'a assez tardivement, malheureusement. On aime les dégâts, on aime les dégâts. Allez, burn. Oui. Alors oui, j'ai plus de magie, mais c'est oui. J'augmente les sorts de soins. Alors, dans quelle direction? C'est le donjon de l'horreur, hein, de toute façon, hein, donc on va sûrement galérer un peu à trouver le bon chemin. J'y vais à l'instinct. Ah oui, non, en plus ceux-là sont très chiants puisqu'ils absorbent ta magie. Et la boum, 4, allez, en moins. On a bien fait de faire le stock des terres. Allez, un en moins, parfait. Allez, j'espère que c'était à droite. C'était pas à droite. On va se paumer, on va se taper plein de combats. Ça va être super chiant. Et le donjon final est comme ça aussi, hein. C'est très très labyrinthique. Mais par contre, bon, la musique, on va dire la musique pardonne la chose parce que la musique du donjon final est juste classe. Mais Firion Flanister. Allez. Et non, c'était un piège. Oh. Ah oui. Bon, les fossiféreurs, ça va. Ces trucs-là, ça meurt vite. Oh, le feu! C'est ceux-là qui sont plus chers. Mais 77, ça suffit, c'est ça qui est top. Bah, tout le monde bourre, et c'est bon. Un coup critique, ça passe, c'est bon. Allez, un petit coup critique, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Double coup. Double coup critique qui passe. Bon, bah c'était pas ici. Embuscade! Oh là là, on en prend encore beaucoup trop des embuscades. Et donc une fois qu'on aura récupéré le sceptre, on pourra se rendre à la fameuse tour de Mycidia. Que sur la tour de Mycidia, on va. Non! Non, pas d'embuscade de ça! Non. Allez, personne de figé. Ok. On se calme. Bien joué. Personne de figé, vous attaquez avant. Putain. Mais non, stop quoi! Ah non, ça c'est hyper relou. Je crois que Maria elle a un truc pour rester immunisée. Enfin, elle a une super résistance à ça, tant mieux. Le truc c'est que j'en ai pas beaucoup des défigeurs.
J'espère qu'il y a un tome qui me permet d'avoir ce qu'il faut pour après, quoi. Oh, la blague! Il y a plusieurs sous-sols, hein. Putain, le bol. Et on va le droit aux égouts. Alors c'est soit on se tape des mobs un peu chiants à tuer, un peu plus longs, en plus qui absorbent ta magie, ou alors tu tombes sur ces putains de charognards de merde qui te paralysent, qui te fiche, quoi. Ouais, il faut que j'aille sous à ce niveau 5, quoi. Et je l'ai niveau 2. Mais merci d'avoir vérifié, du coup. Allez, balancez tous vos magies. Morphée. Il manque plus que fossile niveau 6. Vas-y, fais-moi le fossile. Allez, fais un petit fossile. Un petit fossile. Allez. On sait que t'as envie de le mettre, le petit fossile. Allez, vas-y. Et il a pas fait. Il peut toujours le faire, hein. Glacier 8, très bien. Allez, cécité, c'est pas grave, on utilise de la magie. Ah, mais là, c'est chiant. Après, c'est du... Après, je t'ai dit, ça reste du sel, du petit sel. Ça reste du sel fin. Yes, on adore. Mais d'un côté, le fait d'en prendre plein la gueule comme ça, nos stats, c'est nickel. Chouette. Voilà. Les combats qui durent trois plombes. Alors là c'est vraiment ce truc, la quête du masque. Plus la tour, c'est vraiment les donjons de merde. Tous les étages se ressemblent, t'as 36 possibilités. Et vous avez vu par contre, l'éther en plein combat, elle donne beaucoup plus qu'en dehors des combats, c'est abusé. Elle fait Esuna, mais vraiment pour rien. C'est vraiment histoire d'augmenter. Ça va être long. Ouais, il faudrait que je retourne dans une zone où il y a beaucoup de poison.
3000, bien. Alors c'est comment la Saint-Magie? Putain, c'est long. Alors on va récupérer le coffre. Un minimum. Ah bah, ça aurait été l'occasion. Je pouvais pas ça. Ah, ça va, ils sont gentils. En plus, on a l'avantage sur un coffre piégé. C'est beau. Ça va, c'est que ça, ça va. Allez, il va falloir s'accrocher dans celui-là, putain. C'est insupportable. On va dire 3 plombes. Allez! Il va falloir s'accrocher, c'est peut-être un peu chiant pour vous, ça commence à être chiant pour moi en vrai. Je ne sais pas comment animer tout ça. En plus, je commence à avoir faim. Imaginez que quand les fast-food vont rouvrir. Il y aura pas mal. Ouais, je sais pas. Pas convaincu de ça. C'est une salle piégée! Avec des raies ailées. D'accord. Ça doit pas aimer la foutre, ça. Bon, bah, ça aime la foutre. En fait, j'ai l'impression qu'Azuna ça me. Ah, ça reste ouvert? Non, ça va être fermé lundi. Ça va être fermé lundi. Les bureaux de tabac. Ah, par contre, t'aurais eu l'occasion de faire arrêter plein de personnes, mais oui, évidemment, pour eux, c'est pas... Il y a un manque à gagner, quoi. Par contre, tous les sites de livraison, Bah non, du coup, ça s'est fermé, ça aussi. Enfin, ça... Après, j'ai vu qu'il y avait des traiteurs qui étaient reconvertis. Allez, c'est une bonne... Oui, merci. Je trouve le bon chemin. Par contre, je commence vraiment à avoir faim. J'ai quoi de sortie là? J'ai pas un petit truc, non. J'hésitais à manger avant. Je me suis dit putain, j'ai pas très faim. Et là maintenant je commence à avoir la dalle. Ça m'apprendra. Ah oui, empoisonne-moi. Oui, vas-y, empoisonne-moi. Non, fallait m'empoisonner, putain.
moi, on est sur le bon chemin, c'est cool. Ah, c'est passé niveau 3. Déjà, encore deux niveaux. Tout le monde va s'y mettre. Il n'y a que Leila qui va attaquer. Comme ça, on augmente au maximum. Qui sort de soins, sort voilà, on augmente tout. Moi je bourrais tout le temps sort de soins avant. Là je fais beaucoup plus gaffe. Je suis plus sur les objets. Non, il faut que je bourre plus souvent le soin. Maintenant qu'on a full éther, c'est bon. Et qu'on se fait au moins 2000 à chaque fois. On profite des combats là. Alors par contre, c'était aux infos, c'était hier soir ou même aujourd'hui, c'était les gens qui étaient fiers d'avoir acheté pour 3 mois ou 3 ou 4 mois de course. On dit justement, il faut pas avoir ce comportement-là, mais la personne, oui, moi j'ai pris pour 3 mois de course, c'est bon, mon congélo il est plein. Hein. Du coup, c'est les mêmes gens qui vont se plaindre qu'il n'y a plus rien dans les magasins. Quoi. J'espère que demain j'en croiserai pas des gens comme ça. Et là tu vas me dire, moi j'ai fait les courses pour 3 mois. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, quand il y a eu l'annonce de fête, t'as fait tes courses? Bah, non. Je sais pas, je les ferai lundi. Après, l'avantage, c'est quand t'as une maman comme la mienne et que tu vas la voir, qu'elle me fait « Tiens, je t'ai pris des trucs. » Bon. Je dis pas non. Après, c'est des trucs en concert, des trucs comme ça. Mais... Les gens qui ont acheté tout le PQ et qui ont pris toutes les pâtéries et tous les trucs au congèle, là. Surtout, il suffit de voir, il y a plein de photos, je pense que tu as dû voir maintenant que tu es un fan absolu de Twitter. Les gens dans quel état laissent parfois les magasins, quoi. Le savoir-vivre, il a complètement disparu. Oui, bah là, demain, moi, je m'attends pas à ce que ce soit... J'espère, du moins. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Hein. De toute façon, j'ai pas tant que cette chose à prendre demain. Donc... Ça va être des trucs, notamment pour tout ce qui est pain et... trucs petit-déj. Le reste... C'est bon. Non, les rouges, c'est la foudre. Ah, vas-y, empoisonne-moi. Vas-y. Le seul jeu où tu demandes à ce qu'on t'empoisonne. Boom.
Comme ça me ferait tellement chier aussi, genre demain t'y vas, parce que moi je vais y aller genre je pense sur l'heure de midi ou un truc comme ça. Et s'il y a une heure de queue, mais je pète un câble quoi. Sérieux. Paranoia, paranoia. Et si je vois des petits vieux, je les. je les frappe. Non, je déconne. Je déconne, mais. Ouais. Bon, les gosses aussi, tu me diras. Alors, porte 1, porte 2 ou porte 3? Je te laisse voter. Okay. Ok, King qui roule en mode furtif. La 2. Bonsoir. La 3, mais la 2, il a dit la 2. Ouh, la 2, c'est des coffres. C'est cool. Alors ne me dites pas par contre que je suis juste là pour des coffres. Et que depuis le début, c'est pas le bon chemin. Ça me ferait tellement chier. Foudre. Toi, tu continues à utiliser sous-là parce que voilà. Glacier, toi t'attaques. Et je crois que tout le monde va mourir avant qu'elle ait utilisé sous-là. Ça, ça meurt. Ah non, c'est. Au moins le monter jusqu'au niveau 5 pour plus être emmerdé avec les histoires de fossiles. Ça va être long. Parce que là on est comment? Ah, presque niveau 4. Queue de phoenix. Défigeur. Cloche silence. Je pense que cloche silence, ça doit être un objet qu'on balance. Voilà, c'est ça. Ok, donc déjà de la 3, c'est une salle piégée. Et en fait je pense qu'on est venu ici juste pour des coffres. Et là du coup j'ai envie de pleurer. Mais là on a quelque chose à foutre ici. Ah oh, putain, on est vraiment venu là pour des coffres. Putain, donc on pensait être sur le bon chemin, en fait, non. Je vous ai dit, c'est bonjour, c'est de la merde. Après l'île tropicale, la caverne d'Emicidia, c'est de la chiasse. Oui, tout à fait, ça permet de largement le faire, mais effectivement. T'as pu voir, hein, de toute façon, au niveau des stats, qu'on était plutôt bien maintenant. On peut profiter un peu pour augmenter la magie, mais... Ça me fait un peu chier de devoir tout me retaper là. Je pense que je vais faire ça. Ah non, attendez. Eh, je vais pas faire téléportation, c'est mort. Oui, c'est pas un souci, mais... Est-ce que tu te souviens, virulence, à quoi ça sert exactement? Parce que, enfin, ils te mettent rend efficace contre certains types d'ennemis, mais c'est pas précisé quel type d'ennemi. Je m'étais dit que combo virulence, booster et véhémence, ça fait super bien marcher. Parce que virulence, peu importe le niveau, ça marche. Ça sert aussi pour tous. Allez hop. Dégagez.
Ah, coffre piégé, chouette. Oh non. Ah. Choc 16. Allez, bim. Bouffe-toi ça, enfoiré. Bon bah, y'en a une qui va mourir. Je sais plus ce que ça fait, sa malédiction. Moi, ça réduit le nombre de hits. Putain, il tape fort. Ouais, ça réduit l'attaque de ouf. Peut-être. Le salaud là qui fait 5 hits. Oh, le supplice 16. Et on va s'en sortir. Ils font mal. Hein. C'est... Ouais. Parce que le truc, c'est... Alors, attends, virulence, je crois que je l'ai avec Firion. Virulence, ça fait... Augmente l'efficacité contre certains ennemis. Donc ouais, ça doit peut-être être mieux en fonction du niveau, effectivement. Ouais. Ils sont tous sous malédiction. Allez, meurs. Oh, le coffre de merde. On va garder ta magie. Tout le monde, par contre, je peux augmenter. Là, on bourre, on s'en fout, on a un stock d'éther. Merde, oh, que commence par. Donc là, ça doit marcher par contre. Ah, là, ça augmente vite. Là. Bon. Sous-sol 5. On est sur la bonne voie. D'accord, très bien. Alors si châtiment ça pouvait passer, ce serait cool, hein, mais c'est encore un peu faible, je pense. Putain, en plus ils attaquent le plus fort à chaque fois. Hein. Attendez. Je peux tenter un petit booster. Les éboueurs de Nancy en grève en pleine période de pandémie. Putain. Ah bah là, il va y en avoir encore du déchet dans la route. Enfin, sur la route. Miss. Ah, bien! Sur les deux puissants en plus. Ouh, attention, parce que là, ça déconne plus. Là, on va taper fort. Sauf si je suis paralysé, bien entendu. Ouh.
ferait une mauvaise blague. Faut vraiment que je commence ça. C'est pas grave. Elle, on s'en fout. Allez, on bourre. Allez, Maria, tu résistes, parfait. Fyrion, par contre, c'est pas ouf là. La petite dague qui fait plaisir. Les deux hachoirs pour Guy, voilà, ça c'est fait. Bon, bah. Encore des thunes, quoi. Allez, on a la... il reste la moitié, on pourra enfin se protéger contre. Les fossiles là. Oh, un seul. Alors j'espère que j'ai bien fait de prendre la droite, même si je pense que c'était à gauche qu'il fallait prendre. Ça meurt, c'est cool. Putain, il a l'air d'avoir du coffre. Ah, glacier. Tac. Attaque. Toi, tu vas faire foudre. Je crois qu'on a commencé le live. Il n'y avait que Guy qui était à 1000 PV. Peut-être Fyrion aussi, au tout début. On a presque doublé le truc. On a eu deux game over tout de même. À cause des putains de fossiles. J'insiste bien sur le PUTAIM. Non, peut-être pas non plus. Par contre, le Behemoth au Colisée. Il a rien vu. C'est quoi cette blague? J'ai loupé quelque chose? Comment je fais pour accéder au coffre là? Pas compris. En fait. Comment j'accède là? Attends, c'est super bizarre. Je peux accéder par l'eau? C'est quoi cette merde? Parce que là, j'ai sur le chemin, j'avais rien là pour accéder. Ouais, mais j'aurais le souci de comment je fais pour repartir. C'est très bizarre. On s'en bouffe des combats, je suis vraiment désolé. On s'en mange plein. Mais en fait, je crois vraiment que là, c'est que les coffres. Mais c'est des super coffres. Enfin, j'espère.
Parce qu'en plus, on n'a rien pour réduire les combats. On est obligé de se les taper tous. Par contre, Maria qui, attention, a rattrapé les PV de Firion. C'est quoi le délire? Maria qui devient une putain d'Amazon, quoi. Non, il y a absolument rien pour accéder. Et même si tu tombes dedans, à la limite, comment tu fais pour remonter? Ah, attendez, il n'y a pas un système de liane non plus. Oh putain, si c'est ça... C'est peut-être ça. Soit il y a un système de chemin où tu peux passer en fait en dessous, soit c'est un système de liane. Mais les lianes, ça ne dit rien non plus. Ah, mais attendez. Je reviens sur mes pas, je sais plus ce que je fais, putain, je suis perdu. Ah, je reviens sur mes pas là. On va aller à la porte, on va. Ah, ça fait du bien, ça. Ah, c'est bon, on peut se casser. Ah. Tant pis pour les coffres. Rien à foutre. Donc, maintenant qu'on a le sceptre. Bien alors. Ouais non, si c'est bon, on a le sceptre. Donc maintenant le sceptre va me servir. Il va me servir à la tour. Sauf que la tour. Attends. Sauf que la tour, pour y accéder. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je les explose là, de toute façon. Si, il y a un truc sur lequel je peux tomber. C'est, au final, c'est bien de le rappeler. C'est les trucs qui te fossilisent. Je peux tomber dessus, lui. C'est pas suffisant. Voilà, là on a sauvegardé, on est bon. Donc objectif retour à Mycidia. Putain, mais ils en veulent encore. Allez, boum. Elles sont assez résistantes, là. Normalement, ça monte niveau 5, ça. Raté. Ah bah non.
Alors j'ai laissé le bateau. J'ai laissé de quel côté le bateau? Putain, du coup il va falloir que je remonte tout. Ok. On va retourner au village. Par contre, Maria, mais elle me surprend. Maria fait beaucoup plus que Firion. Là, Firion, il y a du relâchement. Pour rappel, Maria avait facile au début 300 ou 400 PV en moins. Retour à Mysidia, on prend le bateau, on est obligé de faire tout le tour. Alors attendez, je vais quand même... Je vais tout de même tester un truc avec le sceptre au niveau de la statue, mais je crois pas que ça va changer grand chose. Donc d'abord, auberge. Tout ce qui est équipement, c'est bon, on a fait le plein. Cette auberge à 194, c'est que dalle. On en profite pour boire un coup.